On est aujourd'hui dans l'inauguration de la nouvelle fresque qu'on voit ici derrière, où c'est Adrián Jurado et Cor, donc qui ont refait la fresque. Donc on est à la troisième mue du Serpent de la Seine. Le Serpent de la Seine, il est né en 2000, au parc de la Rosée. Et au fond, le Serpent de la Seine s'étale sur les murs. Et vous trouvez au milieu du parc la tête du serpent. Et la légende, elle dit qu'un jour, la queue sortira dans un autre parc à Bruxelles. Pourquoi le Serpent de la Seine? Parce qu'on se trouve sur, le parc se trouve sur un des bras de la Seine. Une des volontés était donc d'inclure des artistes que généralement travaillent à l'intérieur dans des ateliers, de les faire travailler à l'extérieur, sous le regard, sous les questions des passants. Et c'est comme ça qu'est né le Serpent de la Seine.